Et coucou. Je vous préviens, toutes les séquences que je vais tourner pour cette vidéo, je vais être essoufflée comme ça. Je suis partie pour une randonnée spéciale. D'ailleurs, je sais pas vraiment si je vais sortir cette vidéo ou pas. Mais je suis partie pour une grosse randonnée de montagne. À peu près 5 heures, 1200 de dénivelé positif, 700 négatif. Ouh! Ça va être chaud, mais j'y vais pour Iris. Je vais aller disperser ses cendres sur les hauteurs de son dernier lieu de vie. Donc je pense qu'elle mérite bien quelques efforts. Et puis faut avouer que la vue est pas mal quand même. Donc je vais très peu filmer parce que c'est une longue randonnée et que je vais avoir besoin de ma batterie de téléphone pour retrouver ma route si jamais. Donc voilà, c'est parti pour 5 heures de marche. Take a train ride just to see you. Ride for hours just to please you. Je me suis fait la réflexion que c'est la première fois que je fais une randonnée de montagne pendant une période où il y a de la neige. Et en fait, c'est juste incroyable. Ça donne une autre dimension à la randonnée. C'est fou. C'est fou. Regardez-moi ça. Jamais de la vie, je vais mettre 5 heures. Hein. Je vais m'arrêter toutes les 10 secondes. C'est magnifique. Là-bas, il y a Rafiki. Il est là, au bout de mon doigt, au-dessus des sapins, là, des trois sapins. C'est Rafiki. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Regardez-moi cette vue, incroyable. Par contre, j'ai commencé avec l'écharpe, la polaire, les gants, et là, j'ai encore enlevé. Peut-être que bientôt je me retrouve en t-shirt, hein. On sait pas. Bon bah je continue parce que c'est pas le tout, mais si je veux mettre 5 heures et non pas 12, bah faut pas que je m'arrête tout le temps comme ça. Hein.
suis dégoûtée. Je suis partagée entre... Je m'en bats les couilles. C'est ma vie, c'est ma responsabilité. Je suis toute seule, j'emmène pas un vieux ou un enfant avec moi. Et en plus, il y a des traces de pas de partout, mon gars. Et en même temps, entre imagine j'y vais et il y a vraiment une avalanche. Vous feriez quoi à ma place? Bon bah changement de plan du coup. Je vais pas prendre de risque. En plus j'ai pas le petit. Je sais plus comment ça s'appelle là, le petit radar pour les avalanches. Donc bah tant pis. Tant pis, c'est interdit, c'est interdit. Du coup je prends un autre sentier que je connais et je sais qu'il y a quand même un point de vue qui est cool. Oui, j'ai remis ma veste. Parce que quand on marche il fait chaud, mais quand on s'arrête et qu'on passe à l'ombre, il fait un petit peu frais. C'est plutôt pas mal quand même, hein. C'est plutôt sympa. Donc je prends ce sentier là, je sais qu'il y a un belvédère, un point de vue qui est plutôt sympa là-bas. Et je pense que je disperserai un petit peu des cendres de iris. Et de toute façon j'en ai gardé parce qu'en fait je vais pas tout mettre au même endroit. Elle va voyager encore un peu. Je vous avoue que quand c'est en descente comme ça, j'en chie un peu parce que mes chaussures, elles sont pas du tout faites pour la neige. Et c'était soit je prenais mes chaussures de rando et c'était plus agréable pour marcher, ou soit je mettais mes boots, et qui sont énormes, c'est des grosses boots, c'est pas des trucs de ville ou quoi. C'est pas des boots de marche quoi. Donc en fait j'ai les boots dans mon sac à dos, au cas où. C'est trop mignon. J'ai les boots dans mon sac à dos, mais j'ai pas trop envie de les mettre parce que c'est chiant de marcher avec ça. Mais là, j'avoue que avec ces chaussures-là, c'est pas très stable. Hein. Et en plus de ça, elles sont pas imperméables. Donc quand il y a de la neige qui reste collée dessus, eh ben c'est froid. J'ai des chaussettes de rechange aussi. Très honnêtement, je me suis vraiment posé la question si j'allais pas trépasser l'interdiction. Mais vu à la vitesse, là il y a vraiment un soleil de fou. Je sais pas si vous allez voir quand je vais filmer, voilà. Vu à la vitesse où ça fond, là il y a vraiment, vraiment des risques d'avalanche quoi. Surtout qu'en dessous là, il y a une couche de glace. Parce qu'il y a eu des premières neiges qui ont fondu un peu, qui ont gelé, et ensuite ça a reneigé par-dessus. Donc en dessous ça, il y a une grosse couche de glace. Donc genre vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour que ça glisse en plaque quoi.
Paris, voyage dans Rafiki, avec Morphée, Iris et puis Litchi.